Ouais, la cité. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je t'ai fait une vidéo. Si demain t'as un date, ton premier date, ou si demain ton chéri t'envoie un message pour dire viens, on sort, cette vidéo elle est pour toi. Parce que je t'ai tout montré de A à Z. Depuis que je sors de la douche jusqu'à. Je me suis habillée. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes cheveux, comment je me suis maquillée, comment je me suis habillée. Je voulais te montrer plein de tenues, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que j'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspi. Du coup, je t'ai montré qu'une seule tenue. En tout cas, si la vidéo, elle te plaît, bah vous me dites en commentaire. Et j'en ferai d'autres avec plus de tenues vestimentaires, plus plein de petits trucs. Et tout dit, je pense que je te laisse avec la suite de la vidéo. Parce que j'ai pas envie de faire une intro trop longue. Parce que je déteste les meufs qui font des intros trop longues. J'ai envie de les tuer, je fais que d'avancer. Donc j'ai pas envie que t'avances sur cette vidéo. Donc je vais te laisser avec la suite de la vidéo. Existes-tu encore? Hey! Ne te retiens pas. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Je sors de la douche. Je vais venir hydrater mon visage. J'utilise la Diadermine Lift. À passer à la perruque parce que je colle toujours ma perruque avant de me maquiller. Je sais pas pourquoi. Genre, j'arrive pas à me maquiller et après coller ma perruque. Alors, me voilà. Donc, j'ai même pas collé ma wig. Je l'ai juste installée. Je l'ai même pas lavé, rien du tout. Ce sont des cheveux qui me viennent de chez Gossip Hair. C'est des 24 pouces. Je les ai reçus dans une petite boîte. Donc, qui se présentait comme ça. Avec un petit peigne, genre trop mignon. Voilà, donc le petit peigne avec plein de petits élastiques qu'ils m'ont donné. Et en du coup, si jamais quand on custom, ben, c'est pas juste à notre tête, ils m'ont passé l'élastique. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais faire ma raie du milieu, feu, et on va définir les boucles. Et voilà. Du coup, on aura besoin d'une mousse. Une mousse que tu peux trouver partout. Donc, avec une crème pour hydrater le cheveu que j'ai acheté à Carrefour. Et un petit pichet d'eau. J'ai humidifié un petit peu le cheveu. Du coup, je vais juste mettre de la crème. Le cheveu, je le trouve grave doux, grave bien. Moi, je suis pas très fan des cheveux bouclés. Parce que j'avais déjà essayé une fois. Et franchement, j'ai pas kiffé du tout, du tout. Ça m'a l'air d'aller. C'est trop bien, en fait. C'est un peigne à pic. Ok. Pour celles qui veulent que leur raie se voie mieux, bah, vous pouvez mettre un petit peu de fond de teint. Franchement, avant de passer au make-up, je vais parler des mèches parce que dites-vous les filles que j'ai rien fait à part couper la tulle. Elle est pré-custom. Vous avez juste à décolorer les nœuds, mais comme je voulais absolument vous faire la vidéo, j'ai plus de décoloration, je n'allais pas attendre le temps de tout faire. Bah, je ne l'ai pas décoloré, j'ai juste mis du fond de teint sur le bonnet. Je prendrai le temps de décolorer quand même, je vais pas sortir comme ça. Mais franchement, les mèches, j'aime trop. Les boucles, elles sont bien. Elles sont souples comme j'aime. Après, on va voir sur du long terme. De toute façon, hein, c'est comme ça, faut voir sur du long terme. Mais franchement, là, pour une première utilisation, je les trouve cool. Franchement, je les trouve super cool. Alors, j'ai déjà hydraté mes lèvres avec mon stick de chez Nocibé. Vous connaissez déjà ma routine. Je vais, hop, hydrater mon visage avec mon huile de chez Makeup Revolution. J'ai fait mes sourcils du coup hors caméra. Et en fait, il n'y a rien qui change. Même routine make-up, je vais utiliser les mêmes produits que j'ai utilisés dans la première vidéo. Donc je pense que je vais vous montrer que ce que je fais sur mes yeux. Là, on a des premiers dates. Ça veut dire que on n'en fait pas trop. Franchement, on doit être belle de. En fait, on doit progresser. C'est pas on est belle d'un coup et après on est archi laide. Non, on est. On commence moyen et après on est archi archi belle. Ton gars, ils se disent, mais en fait elle s'arrête d'être belle quand en fait cette meuf. On va être belle, mais pas de ouf, juste un peu. Donc du coup je vais passer à mes yeux. On va faire un orangé, faire un truc simple, un truc très très simple. Je vais prendre ma palette Makeup Revolution. Je suis en train de la user. Bon, on va faire de l'impro parce que je sais pas quoi faire. Cette couleur là,
que je vais mettre sur le regard les images, parce que moi l'explication ça va pas le faire. Ce orange là, celui là et pareil, je vais tapoter et après je vais estomper. Là, du coup, quand c'est comme ça, quand j'arrive à ce stade-là, je vais venir et je vais estomper pareil et je vais tirer vers le haut. Un anti-cerne. Je vais prendre le LA Girl, tiens. J'espère que vous allez voir comment je vais faire. Je le mets comme ça, je tapote. Je lève mon œil vers le haut. Ah, et là, en fait, j'ai la démarcation. Putain, je sais pas expliquer. Eh, regardez les images. Alors, du coup, voilà le résultat, ce que ça donne. Prendre la couleur Dreams, donc celle-ci. Et je vais l'appliquer pareil avec un pinceau un peu plus gros, mais bien plat. Je vais prendre la couleur et là, je vais l'appliquer sur toute la partie où j'ai mis l'anti-cerne. Donc là, je vais reprendre du coup le orange, un peu plus clair. Et je vais venir estomper les deux couleurs pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Là, normalement, nous, on est bon. Je vais m'attaquer au teint. Je pense que je vais vous reprendre après parce que j'avais déjà tout filmé et j'utilisais exactement, là, je vais utiliser exactement les mêmes produits. Si jamais je mets un autre concealer ou un truc comme ça, je vous reprends. Mais je pense que je vais vraiment utiliser les mêmes produits que j'ai utilisés dans la toute première vidéo. Donc je pense que ça sert à rien que je filme parce qu'il n'y a rien qui change. Donc, Yep, puis chérie, moi. Ce n'est qu'un regret que j'ai trouvé. Tu es vraiment le seul à qui je peux me dévoiler face à toi. Bon, après toute cette folie d'ambiance, je vais fixer. Enfin, je vais enlever l'effet poudreux parce que là c'est très 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 poudreux. Solution, elle hydrate et fixe le make-up. Comme j'ai la peau tellement sec, je cherche pas un truc qui matifie mon visage moi parce que ça ne sert strictement à rien. On passe aux yeux, donc là je vais faire mon eyeliner. Coller les faux cils, on va finir ce qu'il y a sous mon œil. Je sais pas quelle couleur encore je vais mettre. Et on va voir, je vais improviser. Donc là, j'ai collé mes faux cils qui viennent de chez Primark. Ensuite, je vais du coup prendre ma palette BH Cosmétique. Vous savez quoi, je vais mettre lui. Je vais mettre cette couleur là. Je kiffe de ouf. Au fard à joues, je vais prendre la même couleur que j'ai pris, donc la plus claire qui est ici. On va passer à l'highlighter. Bon, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo. Hop, et je vais prendre la couleur la plus claire pour que ça ressorte plus, donc celle-ci.
prendre l'highlighter de chez MAC et je vais le mettre du coup sous mon sourcil. Je vais faire le contour de mes lèvres. Il n'y a pas meilleur que le gloss. Du coup, là, je suis prête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'habiller. Je vais proposer, je pense, deux looks. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Deux looks, je pense, ou un, ça dépend. Parce que là, même là, je vous parle. Mais je sais même pas comment je vais m'habiller. Là, j'ai pris des boucles d'oreilles simples que j'ai eu à Primark. Je vais prendre ma montre. Hop, prendre des bagues pour accessoiriser mes mains. De toute façon, tu me diras. Mon doigt, lui, il est trop. Bah, eh bien, je pense que je vous ai montré. Je vous ai mis qu'une seule tenue parce qu'en fait, tellement d'affaires que je sais pas quoi faire, ça m'a pris la tête. J'ai essayé 40 000 tenues, j'aimais pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, celle-là, j'aime bien, je vous montre celle-ci. Et puis voilà. Je voulais plus de style vestimentaire parce que je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, je suis d'accord. Mais franchement, si vous en voulez d'autres, il n'y a pas de style, vous en faites d'autres de ouf. Avec d'autres make-up, d'autres types de coiffures, d'autres styles de vêtements, d'autres styles de chaussures. Franchement, si vous voulez, il n'y a aucun problème, je vous fais ça. N'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Parce que c'est important, comme ça, quand je sors une vidéo, t'es présente, t'es là. Les kisses.